Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Chana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Chana Cartomancy, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Chana. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de la semaine, donc du 22 au 28. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de, du grand oracle de l'amour, pardon, puis l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec l'oracle de la love Quant au tableau, on restera sur un tableau de douze cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple et également aux personnes en parcours, flammes, jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons ascendants lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les poissons ascendants lunaire vénusien, quels sont les messages Pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaires vénusiens pour la période du 22 au 28? OK. Allez, encore quatre messages pour les poissons ascendant lunaires vénusiens pour la période du 22 au 28 avril. Allez. Encore trois messages. Ah, ok. Allez, plus que deux messages pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28. Et le petit dernier. Ok. Donc celui-là, il est sorti. Donc je vais remélanger quand même pour... Ah euh, ben voilà, il y en a un qui est là. On va prendre celui-ci en dos. Donc c'est parti. Alors puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue que au plus profond de ton cœur, tu le savais. Oui, au plus profond de ton cœur, tu le savais. Ok, ok. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Continue. La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors suis le flow, le reste viendra. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Et le petit dernier, pas besoin de savoir à l'avance, respire, détends-toi, laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin, fais-lui confiance. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On y va. C'est parti. Allez, pour les poissons, on parle d'une tierce. Là, dans votre situation, nous avons une tierce qui est là, donc poisson, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes On parle de sacrifice. Soit vous êtes sacrifié pour une tierce ou vous avez sacrifié quelqu'un pour une tierce. On y va. On parle d'une période de, de difficulté. Hein. Ouais. Vous pensiez peut-être aller dans l'aboutissement, dans une relation, et finalement, il y a une difficulté qui se, qui se pose, qui est peut-être cette fameuse tierce. On vous dit hein, qu'il y a des, des actes à poser, mais, hein, on voit qu'il y a une tentation d'aller vers une personne, mais qu'il y a quand même des actions à faire. Pour moi, il y a quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de déception aussi. Mais pour moi, il va y avoir des ouvertures hein, pour vous, là, les poissons qui arrivent. Et on me parle bien que vis-à-vis d'une tierce, vous avez une bénédiction. D'accord On vous dit bien qu'il y a la lumière qui arrive au bout du tunnel par rapport à une adversité. D'accord On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à vos doutes. Euh, N'ayez pas de crainte finalement. OK Allez. On y va, c'est parti. Pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît, Je parle d'une période d'apprentissage. OK. Le fait d'apprendre. Euh, de comprendre aussi. Hein. Ouais, on parle d'une période un peu d'accalmie, là, pour vous. Hein, qu'il y, une... ouais, y a une période d'apprentissage pour moi. Donc, vous sortez un peu euh, d'une période un peu noire. Euh... Ouais, vous sortez un peu d'une période de compliqué, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez besoin d'apprendre certaines choses, vous avez besoin de comprendre certaines choses pour retrouver votre, votre calme, votre sérénité et votre confiance en vous. Alors, oui, vous voyez, vous allez, être, vous allez beaucoup être dans l'apprentissage, là. Vous allez comprendre beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. On parle de communication. Allez, d'accord. Par rapport à une situation de couple, euh, pour moi, il y a quand même quelque chose qui vient à vous, mais vous êtes encore dans une période d'apprentissage. Dans une période où vous avez besoin de comprendre des choses, d'apprendre des choses. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une période un peu désertique, désertique pardon, pour vous, euh, parce que vous êtes en période d'apprentissage. Hein. D'accord Donc, on parle bien, effectivement, aussi euh, de euh, renaître, hein, de renaissance, mais il y a quand même des actions. Pour moi, il y a eu des non-dits. Vous n'osez peut-être pas dire les choses. Ou votre hôte n'ose pas dire les choses. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Vous n'osez pas dire les choses. Vous avez tendance un petit peu à vous renfermer sur vous-même. Vous avez peut-être voulu, euh, comment je vais vous dire ça, officialiser une relation. Mais vous avez encore des choses à apprendre hein, par rapport à la notion du couple. Alors ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Ne l'oubliez pas. Euh, il y a cette notion, en tout cas, d'apprendre à être en couple, d'apprendre du couple. Euh, avant de vouloir euh, concrétiser. Donc moi, j'ai quand même une personne qui revient vers vous hein, pour officialiser une relation, mais pour moi, il y a encore trop de non-dits. Ok, ok. On vous demande de patienter. Hein. Il y a un temps euh, de patience. Ouais. Vous voyez, le fait d'être de, de, dans la culpabilité, euh, pour moi, j'ai une personne qui, qui pourrait hein, culpabiliser. En tout cas pour certains, euh, certains poissons pour moi il y a une personne qui pourrait culpabiliser euh, de ne pas avoir officialisé le couple ou de ne pas d'avoir euh, été, euh, été un peu dans le, dans la maladresse j'entends le mot maladresse. Euh, pour moi j'ai une personne qui a été dans la... ouais, qui a été maladroit avec vous hein. Et pourtant on me parle bien quand même d'un retour il y a un retour à l'accomplissement, on aboutit à quelque chose mais on vous dit bien de prendre le temps. Pour moi, il y a effectivement le fait d'officialiser une relation. Il, y a, il va y avoir des actions de poser pour officialiser nos relation. Pour moi, il y a une personne qui est encore dans l'apprentissage, qui est encore dans une période un peu compliquée, qui a besoin d'être seule, d'être en retrait pour apprendre et comprendre les choses. Et on, pourtant, on vous dit bien que par rapport à un silence radio, il y a une abondance, il y a une renaissance et une réussite. Pour moi, j'ai une personne qui va sortir de sa culpabilité. OK Allez, on va recouvrir. Alors, celle-ci, je ne vais pas, pas les recouvrir. Et voyez, on, on, on me donnait euh, les jumeaux d'âme. Euh, juste en dessous. Donc, on avait les jumeaux dames et on vous dit, hein, pour moi, il est nécessaire pour cette personne parce que c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Hein. OK, OK, allez, on y va. Pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril, quelles sont les énergies On parle, voyez. Il y a comme une forme d'apprentissage au niveau de la communication, donc au niveau des échanges. Euh, pour moi, vous allez devoir apprendre à communiquer, donc à parler euh, en étant vrai, euh, en étant authentique, à être à l'écoute, apporter de l'intérêt euh, à ce que la personne en face peut vous raconter. En tout cas, on parle bien qu'il y a une période euh, où vous allez remettre en ordre les choses et vous ne serez plus dans, la, dans des échanges. Euh, ah, comment je vais vous dire ça? C'est plus vous, en fait, qui allez avoir le contrôle de ces échanges. Votre autre. D'accord Les énergies interchangeables. Ne l'oubliez pas encore une fois. Pour moi, vous n'allez plus avoir le contrôle des échanges. Vous n'allez plus être dans l'adversité la, dans au niveau des échanges. Et on vous dit que c'est nécessaire pour moi d'avoir une communication fluide, d'avoir une communication plus souple. Donc, vous allez retrouver la paix hein, dans la communication. Il y a des choses qui vont s'apaiser. Ça, c'est une certitude. Euh, allez, on continue. Donc, pour les poissons ascendants. Donc ouais, moi j'ai quand même une personne qui s'est remis en question, qui a fait un travail d'introspection, qui commence à comprendre qui ou elle a été en adversité avec vous-même, qui ou elle a été en conflit avec vous-même et pour moi cette personne commence à euh, retrouver euh, la sérénité. C'est quelqu'un qui s'est mis en introspection, qui a travaillé sur lui-même ou sur elle-même pour travailler sur ce côté euh, adversité, d'accord Alors, on continue pour les poissons ascendants lunaire et vénusiens, pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons OK. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une tentation. On a envie d'aboutir hein, dans cette relation, on a envie d'aller plus loin dans cette relation, mais il y a effectivement un besoin de remettre de l'ordre, il y a un besoin de ne plus être dans le contrôle, hein, de retrouver le calme et la sérénité, pour moi, pour avoir une communication plus fluide. OK. Vous voyez, hein, il y a eu du mensonge, il y a eu des non-dits, on a porté des masques hein, euh, par rapport à nos relations. Vous voyez, le fait d'avoir été dans l'adversité, vous avez sacrifié quelque chose. Pour moi, c'est ça, vous avez sacrifié quelque chose en étant dans, dans le conflit euh, permanent. Aujourd'hui, vous comprenez les choses, vous êtes mis en, en introspection, vous allez retrouver votre sérénité, votre confiance en vous. On voit bien que c'est nécessaire, hein, il est nécessaire, pardon, euh, de fluidifier les échanges et pour moi de mettre au clair certains mensonges, certains non-dits. D'accord Donc on voit bien ici qu'il y a une tentation pour moi de remettre les choses en ordre pour pouvoir aboutir dans cette relation, pour pouvoir aller dans l'accomplissement de cette relation. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes à la croisée des chemins et que les choses avancent tranquillement. On vous dit bien que ça avance vers une réussite. Et vous voyez, on parle vraiment d'une relation amoureuse où il va y avoir un éclaircissement par rapport à une adversité. Alors, un rival ou une rivale, on me parle d'une rivale ici, sur laquelle, pour moi, vous, vous êtes protégé. D'accord On vous dit bien qu'il y a une fin de cycle par rapport à cette rivalité. On vous dit bien ici qu'il y a une bénédiction sur la prise de hauteur et sur l'élévation dans une relation de flamme jumelle. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y avait bien une tierce. D'accord Ok, ok. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Allez, pour les poissons ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période donc, du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes On me parle de réconciliation pour vous, les poissons. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendants On parle d'un nouveau départ. Hein Parfait. Hein Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28 Avril. Ouais. Vous allez passer une période de crise pour mieux vous réconcilier, hein, pour mieux vous retrouver par rapport à l'amour. Hein. Magnifique. Allez. La réconciliation, ça fait quand même deux fois. Hein. Alors je remélange. Hop. Voilà. Allez, énergie dominante pour les poissons. On parle de sensualité. Pour moi, il y a eu vraiment un besoin de contrôle. Un besoin de stratégie, de jouer. On voit ici que c'est sur la sexualité, hein, évidemment. Mais pour moi, vous avez retrouvé votre ancrage qui fait que votre autre veut s'engager. En tout cas, maintenant, vous savez. Que vous êtes ancré et que vous voulez vraiment quelque chose d'engagé. On vous dit que pendant quelques temps, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, vous avez beaucoup donné à cette personne qui lui ou elle a été dans le contrôle pour garder un peu euh, l'équilibre qu'il ou elle avait choisi d'avoir avec vous. Et on vous dit que pour lui, ça a été un véritable coup de foudre, mais qu'il a agi avec légèreté. D'accord Mais on vous dit bien, hein, voyez, hein, on vous dit bien qu'il y a le bonheur qui arrive à vous. Allez, on va aller voir avec le tableau, si j'y arrive. Allez, pour les poissons ascendants. Les nerfs et vénusien, ok. Alors, voyez, pour moi, il y a une personne qui a été euh, jaloux ou jalouse. Cette personne euh, a voulu contrôler. C'est quelqu'un qui vous a fait des promesses qu'il ou elle n'a pas forcément tenues. Mais on vous dit bien ici que les choses, malgré des disputes, malgré les conflits, malgré les séparations, il va bien y avoir un regain d'énergie. Voyez, cette personne par rapport à sa jalousie, c'est quelqu'un qui se retrouvait seul. D'accord. C'est une personne qui s'est mise en retrait du monde ou que le monde a mis en retrait. Parce que pour moi, c'est une personne qui s'est égarée à cause de sa jalousie. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui a été très souple, qui a été très léger hein, dans, dans les promesses. Alors, ce n'est pas forcément positif. Euh, mais vous voyez, cette personne avait envie de concrétiser avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a pris les choses un peu trop légèrement. Donc, pour moi, cette personne, vous pensez acquise, acquise ou acquis. Et que finalement, à cause de sa jalousie, cette personne s'est retrouvée seule. C'est totalement égaré et c'est se retrouvé seul. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, pour moi, qui attend d'avoir une opportunité pour changer les choses, pour pouvoir sauver votre relation. C'est quelqu'un qui a conscience, pour moi, de vous avoir fait beaucoup de peine, de vous avoir fait beaucoup de mal. Hein, D'accord Et pourtant, c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Hein. Ok. Allez, pour les poissons ascendants lunaires vénusiens, pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons oui, Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris les choses trop légèrement. C'est quelqu'un qui, à cause de sa jalousie, a fait une action avec légèreté. Et aujourd'hui, c'est cette personne qui euh, s'est totalement égarée et se retrouve en solitude. Vous voyez, on vous dit d'être plus souple parce que pour moi, il va y avoir des promesses. Pour moi, il y a une personne qui veut se réconcilier avec vous. Et cette personne va vous faire des promesses pour concrétiser votre relation, pour officialiser votre relation. Ok, très beau tirage. Hein? Allez, je vais recouvrir donc pour la jalousie. Ouais, voyez, c'est quelqu'un qui a fait une crise de jalousie. Cette personne a pété un plomb euh, et c'est quelqu'un qui a fait un peu n'importe quoi, euh, qui a fait un peu n'importe quoi et qui s'est égaré. Pour moi, dans des jeux de stratégie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va retrouver quand même l'harmonie. Hein? Cette personne va s'apaiser, va se Va bah, bah vraiment, en tout cas, voilà, vous voyez, on, on vous dit bien que c'était dans son intérêt, dans votre intérêt euh, de couple, euh, que cette personne passe cette période de crise, euh, passe cette période de peur par rapport à vous, euh, pour pouvoir retrouver une harmonie, une stabilité. D'accord Pour moi, on vous dit bien que par rapport à cette crise, il y a eu un stop dans la relation, il y a eu un stop par rapport à ce coup de foudre. Ouais, C'est quelqu'un qui agit dans son intérêt, qui agit hein, par rapport à sa jalousie. Et finalement, cette personne a juste mis un stop à votre relation. Pour moi, on me dit que sur la sexualité, vous étiez en harmonie, vous étiez vraiment bien. Euh, mais pour moi, cette personne avait peur de concrétiser ou d'officialiser avec, avec vous. D'accord Pour moi, vous allez quand même retrouver une stabilité vous allez trouver un ancrage qui fait que cette personne se retrouve totalement perdue, totalement égarée par rapport aux actions qu'il ou elle a fait. Ouais. Cette personne ne, ne vous a pas donné beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Et pour moi, vous avez vraiment agi dans votre intérêt aussi là, parce que vous êtes libéré. Vous vous êtes libéré de tout le mal que cette personne a pu vous faire. Et aujourd'hui, cette personne comprend que finalement, en fait, par rapport à ces petits jeux de stratégie, par rapport à ces jeux de, 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 de enfin, à ces crises de jalousie, cette personne a mis un stop dans la relation. Et aujourd'hui, cette personne veut se réconcilier avec vous. Ok, ok. Allez. Pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien. Pour la période de, du 22 au 28. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment peur que vous, euh, que vous rencontrez quelqu'un. Hein. Cette personne a peur. Hein. Que la relation que vous avez eue ensemble est terminée et que vous rencontrez quelqu'un. Mais pour moi, non, j'ai quand même, voyez, on a quand même la réconciliation de couple, ok Donc pour moi, j'ai vraiment une réconciliation. On vous dit hein, que vous allez prendre le temps, vous allez aller doucement pour retrouver votre équilibre. On vous dit d'avoir confiance hein, malgré que les choses soient un peu fragilisées. On vous dit bien que ça va évoluer avec le temps. Pour moi, vous allez enfin être dans l'amour, dans les sentiments. Et pour moi, il n'y aura plus de jeu de stratégie. Il n'y aura plus de masque. Parce que pour moi, cette personne comprend que ce sont ces jeux de stratégie qui ont causé votre séparation. Et aujourd'hui, cette personne espère que ce n'est pas perdu. OK euh, Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti, donc pour les poissons. Vous voyez, c'est une personne, euh, moi j'ai quelqu'un qui s'est totalement enfermé, qui s'est enfermé dans son mal-être, qui s'est enfermé dans son manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit bien que cette personne a envie de discuter avec vous, mais c'est quelqu'un qui a trop longtemps porté des masques, qui est trop longtemps enfermé dans des mensonges et dans des non-dits. Pour moi, c'est une personne qui a peut-être également eu des, euh, des, des on-dits sur vous, euh, et finalement, en fait, aujourd'hui, moi j'ai quelqu'un qui veut mettre les choses au clair avec vous. J'ai une personne qui veut mettre les choses au clair avec vous. J'ai une personne qui veut vous faire des confidences. Mais j'ai quand même une personne qui a peur que vous refusiez, en fait. Hein. Euh, j'ai cette personne qui est dans la peur. Hein, dans la peur que vous refusiez. Euh, ouais, voyez. J'ai une personne qui a peur que vous le rejetez. J'ai une personne qui, qui a peur que vous le. Ouais, que, que, vous, que vous refusez de le revoir, de le revoir ou de l'écouter. Pourtant, c'est positif. Moi, pour l'instant, cette personne a peur. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la peur, c'est quelqu'un qui est dans la, dans, la, dans la honte, dans la culpabilité, mais on voit bien que finalement, la lumière se tourne quand même vers le positif. Donc, pour moi, cette personne va mettre sa peur d'être rejetée ou d'être refusée pour venir, hein, pour venir vers vous. Hein. Donc, on vous dit bien ici que par rapport à, cette, à ce rendez-vous, à cette communication que vous allez avoir, il va y avoir du changement. Changement par rapport à des accusations que votre hôte a pu avoir envers vous ou que certaines personnes ont pu avoir envers vous. D'accord On vous dit bien que cette personne euh, voulait se projeter avec vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se regarde un peu dans le miroir et qui se rend compte euh, qu'il ou elle vous a menti. Euh, qu'il ou elle a fauté, parce que finalement, euh, c'est quelqu'un qui a stoppé un peu l'évolution de votre relation. Hein. C'est quelqu'un qui a t -t 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 tellement peur de l'échec euh, que bah, finalement, aujourd'hui, euh, bah, cette personne culpabilise. Vous voyez, hein, moi, j'ai une personne là, si je prends une diagonale, j'ai quand même une personne qui se regarde dans un miroir et qui a honte quand même des accusations qu'il ou elle a eu envers vous. D'accord On vous dit bien que par rapport à un échec, cette personne veut vous parler, veut communiquer avec vous. On vous dit bien que pour moi, par rapport à des nombres, il va y avoir du positif. D'accord Allez, on continue. Vous voyez, hein? moi j'ai quelqu'un qui veut vraiment avancer avec vous, mais cette personne a porté des masques avec vous et aujourd'hui c'est quelqu'un qui ne sait pas comment sortir de ses masques. Hein? Donc on voit bien qu'il y avait un travail à faire euh, de se recentrer sur soi. On peut aussi me parler ici d'avoir eu des accusations, d'avoir été trahi, d'avoir été trompé. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a du changement. Donc, vous voyez, hein, cette personne va trouver le courage et la force de venir vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'apaiser, qui va être centré avec ce qu'il ressent et ce qu'il veut faire. On vous dit bien que pour moi, cette personne euh, culpabilise, mais c'est quelqu'un qui va réussir à apaiser sa culpabilité pour franchir le cap de venir vous voir et de discuter avec vous. OK. Alors. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis un stop en fait dans la communication avec vous à cause de sa jalousie, à cause d'une rivalité. Rivalité et, ja et ou jalousie qui pour moi va s'estomper et cette personne revient à la communication. Vous voyez Allez, on continue. Donc pour les poissons ascendants, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, cette personne rêve beaucoup de vous, hein, c'est quelqu'un qui veut un avenir avec vous, mais qui a vraiment un besoin de s'apaiser hein, par rapport à sa jalousie, par rapport à son manque de confiance en lui ou en elle. Donc, voyez, on va bien retrouver, pour moi, j'ai cette personne qui va retrouver hein, une stabilité, qui va vous faire des propositions, qui va vous proposer des compromis, euh, pour moi, pour trouver vraiment une sérénité dans la relation. Donc, cette personne culpabilise parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. Peut-être pas qu'une seule fois d'ailleurs. On vous dit bien que par rapport à ça, aujourd'hui, cette personne veut l'abondance en amour avec vous. Mais cette personne culpabilise, en fait pour moi j'ai cette personne qui prend conscience hein, qu'il qu ou elle aurait pu être heureux ou heureuse avec vous, qu'il aurait pu ou elle aurait pu avoir tout avec vous, finalement cette personne vous a trahi peut-être pas qu'une seule fois et aujourd'hui c'est quelqu'un qui culpabilise, d'accord Pour moi cette personne a peur hein, qu'il y ait une rivalité et pour moi il va y avoir un retour au contact et un retour physique, très rapidement d'ailleurs. Allez, on continue. Donc pour les poissons. Hop. Ouais. On me parle d'une personne qui a été... Euh, qui a agi. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a agi de façon totalement immature. Euh, pour moi, cette personne a agi de façon insouciante. Et pour moi, en fait, cette personne, c'est tout simplement protéger des difficultés. C'est protéger de l'échec. Euh, c'est quelqu'un qui avait vraiment peur euh, de l'échec, de vous perdre, en fait. D'accord Cette personne avait vraiment peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui s'est protégé. Pourtant, on me dit bien que cette personne est en évolution. Voyez, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins et cette personne va choisir le bonheur. Hein? On voit bien ici qu'on parle d'un homme avec qui il y a eu beaucoup de complicité, mais beaucoup d'instabilité. Aujourd'hui, cette personne est prête à trancher, à prendre une décision, de s'élever avec vous. Ok Voyez, hein? c'est quelqu'un qui veut saisir... Euh, une opportunité hein, par rapport à une séparation, à une distance qu'il y a eu. Cette personne veut saisir une opportunité et on me parle d'une personne qui va vous surprendre. Ok, ok. Allez, on y va. C'est parti avec l'améthyste love. On y va. C'est parti. Allez, c'est parti pour les poissons ascendants lunaires. Voyez, on a une personne hein, qui a été dans le déni euh, de ce qu'il doit ressenté, je pense. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui a été dans le déni. Et finalement, cette personne est en train de reprendre le contrôle. Hein, de, donc euh, voilà, le contrôle sur son ego, c'est ce que j'allais vous dire. Pour moi, cette personne était dans le déni. Son ego l'a fait plonger dans le déni. Et pour moi, cette personne est en train de reprendre le contrôle sur son ego pour euh, faire bouger les choses. Vous voyez, on me dit hein, que vous allez être avec une personne avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se construire avec cette personne. Vous voyez, cette personne était vraiment en période de crise. C'est quelqu'un qui était en période, euh, ouais, j'ai envie de vous dire, de crise de jalousie, de crise d'ego, et finalement il y a eu un, un froid qui s'est installé euh, c'est quelqu'un qui a pu faire des jeux auxquels euh, vous n'avez pas forcément répondu donc finalement cette personne s'est retrouvée euh, dans sa crise d'ego et pour moi c'est quelqu'un qui a retrouvé euh, qui a eu le déclic et qui est en train de comprendre les choses et qui reprend le contrôle sur son ego hein. donc il est en train de, de sortir de son ego et vous voyez hein. Cette personne est enfermée dans les sentiments qu'il ou elle a pour vous et dans les pensées qu'il ou elle a pour vous. Mais c'est quelqu'un qui comprend qu'il ou elle vous a humilié. Et pour moi, vous voyez, cette personne euh, commence à ressentir de la frustration, commence vraiment à ressentir un manque. OK, OK. Alors, on continue. Donc, par rapport au déni, à la, dé à la négation, vous voyez, cette personne a peur. Hein. C'est quelqu'un qui a peur que vous refusiez euh, cette réconciliation. C'est quelqu'un qui a vraiment peur que vous lui fassiez subir euh, ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait subir. Ok Donc, il ou elle regrette hein, d'avoir été impulsif, d'avoir été jaloux ou jalouse. Euh, et pour moi, vraiment, c'est quelqu'un... Cette personne, vraiment, a vraiment très, très peur. Hein. Ok, ok. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On me parle d'une personne capricorne, Verseau, poisson. Allez Continue. Vous voyez, le fait que cette personne ait été dans les remords, dans les regrets, ça lui, prend, ça lui aura permis, en fait, hein, finalement, de sortir de cette période de crise et de comprendre, de prendre conscience que ses sentiments étaient bien plus forts qu'il ou elle ne le pensait. OK? Pour moi, j'ai une personne qui vous surveille via les réseaux sociaux, d'où les périodes de crise, de, de jalousie qu'il y a pu y avoir, qui ont blessé, qui l'ont blessé, hein, qui ont brisé son, son petit cœur. Euh, et aujourd'hui, cette personne vraiment agit sous le coup de l'impulsivité. Mais c'est quelqu'un qui est en train de s'assagir hein, au niveau de son impulsivité, au niveau de sa jalousie. Alors, qu'est-ce que nous avons encore Ouais, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui vous aime passionnément, hein, cette personne. Euh, euh, pense à vous euh, tout le temps. Donc, on voit bien que cette personne euh, a besoin de faire un choix, a besoin de prendre une décision. Euh, parce que c'est quelqu'un qui se. En fait, pour l'instant, cette personne est encore pris hein, euh, par ses remords et par ses sentiments. C'est quelqu'un, pour moi, qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a humilié. Et on vous dit de laisser le timing divin faire. Hein, Puisque pour moi vous allez recevoir un message, d'accord On vous dit bien que la relation est protégée. Pour moi, il va y avoir un mariage, il va y avoir un appui, mais cette personne a vraiment besoin de se faire un petit peu ghoster pour comprendre un petit peu, pour prendre conscience des choses, d'accord Pour moi, il y a un lien très fort, un lien de, de, de ouais, un lien. Euh, de vie antérieure, j'ai envie de vous dire. Et pour moi, il va vraiment... Alors, il y a eu des mensonges pour moi aussi sur le fait de vivre ensemble, de construire une famille. C'est quelqu'un qui a pu avoir des mensonges par rapport à vous sur le fait de faire une famille ou de ne pas faire de famille, d'avoir des enfants ou pas avoir d'enfants. Pour moi, c'est un... quelqu'un qui a une fibre paternelle ou maternelle, mais euh, qui n'a pas confiance en lui ou en elle. D'accord Donc, on voit bien ici que cette personne va prendre conscience du coup de foudre qu'il ou elle a eu pour vous. On vous dit que c'est une personne qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Vous voyez, cette personne attend votre retour, mais ne voyant pas de retour arriver. Pour moi, cette personne va faire le premier pas. Et ouais. Pour moi, il va y avoir la, la fin d'un ghostage, la fin d'un silence radio. Et on vous dit hein, que cette personne hein, vraiment a été superficielle avec vous. C'est quelqu'un qui s'est caché derrière des mensonges, derrière des médisances, derrière des humiliations vous concernant. Et aujourd'hui, cette personne le regrette. On vous dit bien ici que c'est une pause, parce que pour moi, cette personne veut ou va faire le nécessaire pour, vo pour vous voir d'ici une période de trois mois. On vous dit bien ici que cette personne va apaiser sa colère assez rapidement. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un lâcher-prise qui va vous permettre d'avoir une vie de couple. Pour moi, très très bientôt, peut-être pas sur la période de l'automne, peut-être avant, mais pourquoi pas. Et on vous dit que cette personne s'est remise en question par rapport au, au chagrin, aux pleurs et aux douleurs, aux blessures qu'il ou elle a pu vous faire. D'accord On vous dit bien qu'il y a une opportunité qui arrive à vous pour moi de construire une, une vraie relation. Ok Et pour moi, vous voyez, hein, il y a bien une femme rivale une femme rivale ou un homme rival. Mais on parle d'une relation qui aura duré deux, deux mois maximum, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, euh, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous